Aujourd'hui les gars, j'ai utilisé les sabres laser mythiques pour tricher dans un défilé de mode. Fortnite a enfin remis l'arme sur le jeu et croyez-moi les amis, elle est franchement trop cheatée. Je vous conseille vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. L'abonnement c'est totalement gratuit, vous appuyez sur le bouton rouge et vous activez la cloche. En plus actuellement, je rush les 800 000 abonnés, donc si tu es nouveau, abonne-toi dès maintenant pour m'aider à atteindre le palier avant le million. J'en profite aussi pour te dire qu'il y a tous les jours une vidéo sur ma chaîne YouTube et je fais une grosse dédicace à tous ces derniers BG qui se sont abonnés à la chaîne. Merci beaucoup de toute votre force. Et si tu veux passer à une prochaine vidéo, abonne-toi, active la cloche, c'est totalement gratuit. Je remercie ceux qui disent mon code créateur. Mon code créateur il est simple, c'est PJP. Vous êtes déjà plus de 20 000 à me soutenir. Et n'oubliez pas code PJP pour pécho sa crush. On se retrouve directement en game de Battle Royale et j'ai rejoint la partie personnalisée de mon petit frère. Comme vous pouvez le voir, tous les abonnés sont en place à l'intérieur de ce défilé de mode Star Wars. On est à Tilted Tower. Les abonnés ont l'air d'avoir des skins plutôt stylés et ça, ça fait plaisir. Faites-moi des petites danses les gars pour voir si vous êtes chaud. Ok, 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 ils ont l'air super chaud honnêtement. Ça, ça fait plaisir. Comme vous l'avez vu les gars, mon petit frère a lancé un défilé de mode Star Wars et mon objectif aujourd'hui ça va être de tricher avec les nouveaux sabres laser mythiques. Pour commencer les gars, on va tout simplement utiliser un petit nouveau véhicule. Fortnite a acheté les hélicoptères et regardez ce qui est en face de moi les gars, il y a les tout nouveaux hélicoptères des 7. J'étais obligé d'utiliser un véhicule de ouf les gars, vous me connaissez, j'adore faire des trucs de dingue. Par contre les gars, l'hélico il est trop stylé, ça m'avait manqué, on peut carrément booster avec l'hélico, c'est une dinguerie. On commence avec un petit skin Stormtrooper avec dans le dos un petit bouclier qui va super en thème avec le skin pareil pour la pioche. Honnêtement, je suis obligé de te qualifier. Normalement les gars, j'ai une petite technique, si j'ouvre le coffre-fort de l'état-major, je devrais obtenir des sabres laser mythiques facilement. D'ailleurs, vous le voyez, j'ai actuellement le skin mystique, les gars, et comme vous le savez, c'est pas du tout un skin Star Wars. Ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais tricher et je vais tuer des abonnés pour voler leur skin Star Wars. Si j'arrivais à gagner comme ça, ce serait une masterclass. On a du coup un petit skin Kylo Ren, ok, à niveau de sa pioche, c'est une pioche un peu mécanique qui va plutôt bien avec le skin. En tout cas, c'est super stylé, je vais te laisser te qualifier, mon ref. Bonne nouvelle, regardez ce que j'ai trouvé tout là-bas, je crois que c'est un sabre laser. Oh non, les gars, malheureusement, c'est pas un sabre laser, c'est un fusil blaster. Nous, ce qu'il nous faut, les refs, c'est des sabres laser, ça va être compliqué à trouver. Prochain skin, du coup, oh, on a un skin Chewbacca avec une énorme pioche galaxie. Oh là 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 là, mais mec, mais ça pour le coup c'est vraiment stylé, la pioche galaxie qui rappelle l'espace au niveau du sac à dos, ça va super avec le style. Mec, je vais te laisser te qualifier. Oh, bonne nouvelle les gars, regardez. Let's go les gars, j'ai trouvé le sabre laser d'Obi-Wan. Alors normalement c'est le sabre laser bleu, voilà, celui-là il est plutôt stylé. Pour la vidéo les gars, en vrai je kifferais récupérer le sabre laser de Kylo Ren, c'est le sabre laser tout en rouge les gars, il est trop stylé. Ensuite prochain skin, on a un petit skin Stormtrooper et comme vous pouvez le voir, il y en a un autre juste derrière. Du coup les gars, je propose qu'on fasse un petit 1v1. Attention, est-ce que vous êtes prêts les refs? 3, 2, 1, let's go, fightez-vous que le meilleur gagne. Oh, 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 là c'est plutôt chaud, ils sont en train de se taper. Ah ouais, non mais mec, mais là c'est trop dur. Wesh, mais attends, mais il y en a, il est déterminé. Attends, mais mec, mais il va le tuer. Oh là 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 là, mais mec, il l'a tué, mais c'est trop stylé. Regardez les gars ce que je viens de trouver, je crois que c'est le sabre de Kylo Ren. Bonne nouvelle les gars, on a carrément les deux sabres laser que je voulais trouver pour la vidéo. Il y a Gunnar en face de moi, on va carrément essayer de le tuer. Lui les gars, je dois absolument le tuer, je dois récupérer la carte légendaire. Allez, je l'ai bientôt tué les gars, bonne nouvelle, il est KO. On va récupérer la petite carte d'accès légendaire. Maintenant, je vais me dépêcher d'aller ouvrir le coffre, c'est un peu comme la salle des hackers. Prochain skin, on a un Stormtrooper rouge, c'est le premier qu'on voit pour le moment. Ok, ça c'est plutôt stylé. Au niveau de son sac à dos, il m'a sorti un sac à dos avec une arme rouge. Ça va parfaitement avec le skin, pareil pour la pioche, je suis obligé de te qualifier. Le coffre-fort s'ouvre les amis, let's go. Bon, normalement à l'intérieur, on devrait avoir du stuff trop cheat. Dans le premier loot, on a eu du stuff, dans le deuxième aussi. Bon, j'espère qu'on aura des sabres laser dans les coffres. Ok, on a des snipers légendaires. Est-ce qu'on a un sabre laser? Non les gars, on a rien eu. Heureusement que j'ai eu de la chance, j'ai trouvé quand même des sabres laser dans la grotte, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite du coup, on a un autre skin Kylo Ren, mec, mais mec, mais on a trop des skins comme ça. En plus, ça c'est un assemblage qu'on a déjà vu, malheureusement je peux pas te qualifier, je suis désolé. Normalement mon petit frère a déjà terminé la première manche, il a été plutôt rapide. Dans tous les cas les gars, c'est bénef, moi je suis pas mort dès le début, j'ai un peu triché déjà, j'ai pas participé à tout le défilé de mode. En plus les gars, il y a la zone actuellement, ça veut dire que tous les abonnés de Tilted ils sont en train d'aller vers la zone. La première manche vient de se terminer, il reste encore pas mal d'abonnés, on va pouvoir passer à la deuxième manche et cette fois-ci on va juger les emotes. Je pense qu'en haut de la montagne les gars, si je garde mon hélicoptère juste ici, personne va venir me le chercher. Mon petit hélicoptère, je t'aime beaucoup mon frérot, mais tu restes ici, papa reviendra te chercher, c'est promis. Comme vous pouvez le voir du coup, tous les abonnés sont en place pour la deuxième manche et on commence directement avec le premier skin. Vas-y, je te laisse me faire ta petite emote mon ref. Ok, il me fait une petite emote espace comme ceci. Ok, c'est plutôt pas mal. Comme vous voulez les frérots, il y a mon petit frère qui est en train de construire la prochaine manche du défilé de mode. Mon objectif les gars, ça va être de rester très discret et je vais essayer de voler l'identité d'un joueur. Maintenant ce que je vais devoir faire, c'est tuer un abonné dans le défilé de mode et voler son identité grâce au skin mystique. Oh mais attends, mais en vrai de vrai, je viens de penser à quelque chose. Ce skin là, il me rappelle un petit peu R2D2, mec, c'est un espèce de petit robot, c'est trop stylé. En plus de ça, il me fait une petite danse un peu extraterrestre, un peu astéroïde, c'est totalement en thème avec Star Wars, je vais te laisser te qualifier. Je vais me déplacer doucement les gars, il y a un mec juste ici les gars, lui il est en train de courir. En vrai son skin est plutôt beau à lui les gars. En vrai si je me transforme en Chewbacca, ça peut être vraiment stylé, faudrait vraiment que j'arrive à le faire venir. Ok allez, faudrait qu'il vienne le skin Chewbacca. Il est en train de venir les gars, bonne nouvelle, let's go, viens mon frérot. Ok les gars, ce que je vais faire, je vais lui tendre un piège. Regardez les gars, dans mon inventaire, je vais lui donner du shield. Est-ce qu'il vient? Ouais, il est en train de venir les gars, il est en train de venir. Ok, normalement les gars, il va rester là. Et j'ai des murs blindés, je vais essayer de l'enfermer. Hop, je vais mettre une petite mox de murs blindés.
Ok les gars, il peut plus bouger. C'est le moment que je le tue les gars, let's go. Vite, je le tue. Il bouge même plus. C'était roi fou, désolé mon frérot. En tout cas les gars, on a une super bonne nouvelle. Maintenant je peux prendre l'identité d'un abonné sans même avoir de skin Star Wars. Ok, donc je vais faire la petite émote les amis. Normalement je vais me transformer. Attention les gars, transformation en cours. Oh regardez, je suis devenu Chewbacca. Prochain skin du coup, petit skin Stormtrooper. Vas-y, je te laisse me faire ton emote. Ok, ouais, ok, ça va. Après mon ref, comme on a un autre skin Stormtrooper, je vais devoir te tuer malheureusement. Je suis désolé. J'espère que l'autre va me faire une meilleure emote. Comme vous le voyez les gars, mon petit frère a bientôt fini de passer tous les skins Fortnite. Je vais me dépêcher les gars et je vais me faire passer pour un abonné, ça va être trop drôle. Prochain skin du coup, on a le skin Kylo Ren qui a juste ici. Ok, qui me fait une superbe emote Star Wars avec la force. En plus de ça, ça va totalement en thème avec le skin. Je vais te laisser te qualifier mon ref à l'intérieur des autres. Normalement les gars, c'est moi le prochain. Par contre les gars, j'ai vraiment pas d'emote Star Wars, ça met vraiment la pression. Prochain skin du coup, on a un skin. Oh, on a un vrai skin Chewbacca. Vas-y, je te laisse avancer. Wesh les gars, mon skin vient de se retirer. Pourquoi j'ai un skin de Bambi les gars? Je me tire. Les gars, j'ai trop le seum, j'avais le skin mystique, d'un coup j'ai plus de skin. Je peux même plus faire les modes les gars. Pourquoi mon skin est bugué? Pour la troisième manche du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va juger les planeurs. On va commencer directement avec le premier skin qui a juste ici. Vas-y, je te laisse sauter sur le pad juste là. Ok. Attention. Oh, il m'a sorti un énorme planeur Star Wars. Vas-y, je vais te laisser te qualifier, c'est totalement en thème avec le thème. Maintenant les gars, j'en ai plus rien à faire. Je rentre dans le défilé de mode en mode gros troller. Tu vois, j'ai bien un gros skin de Bambi. Attendez les gars, le Stormtrooper, je vais essayer de me transformer avec lui. Viens mon frérot, viens. Viens mon petit Stormtrooper. Viens mon frérot. Et là je te tue les gars. Ah, je te tue mon frérot, t'as rien vu venir. Je vais essayer de me transformer. Attention, transformation. Oui les gars, ça fonctionne. En plus, regardez, j'ai même son sac à dos bébé Yoda. Prochain skin, on a du coup le petit skin Kylo Ren qui a juste ici. Vas-y, je te laisse prendre le planeur. Oh là 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 là, mais mec, mais non, mais il y a trop de planeurs Star Wars comme ça. Mais je suis désolé, en plus de ça, on a déjà eu un Kylo Ren tout à l'heure. Malheureusement, je dois t'éliminer. Carrément les amis, je prends le sabre laser du méchant, j'en ai plus rien à faire. Wesh, mais attends, mais lui il fait quoi avec son truc? Mais non, mais les gars, il a sorti un sabre laser, mais c'est trop stylé. Mais wesh, mais attends, mais il saute partout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh mais mec, c'est incroyable le skin les gars, ça rend trop bien. Le skin Stormtrooper les gars, il va trop bien avec le sabre laser, mais j'ai aussi le sabre gentil mon frérot. Et oui, je suis quand même un gentil. C'est quoi, exceptionnellement, comme c'est plutôt stylé, je vais te laisser te qualifier avec les autres pour la finale. Oh, il vient de tuer encore un abonné, ça maintenant. Mon camouflage. Wesh, mais attends, mais lui c'est qui lui? C'est quoi ce skin? Quoi? Mais wesh, mais attends, mais il vient de se transformer en Stormtrooper. Hop là, ni vu ni connu mon frérot. J'étais un méchant depuis le début. Allez, je tue tous les abonnés. Il me tire dessus, c'est un fou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait mon ref? Non, arrête. Mais attends, mais je rêve, il essaie de tuer les abonnés avec son sabre laser. Arrête ça tout de suite mon ref, arrête ça. Mais non, mais les gars, mais c'est un imposteur. Mais non, mais frère, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je tue les abonnés les gars, j'en ai plus rien à faire, je tue les abonnés. Il a pris le pad, il s'enfuit, je me tire. Lui c'est Kylo Ren les amis, c'est un grand méchant, faut que je le tue. Faut que je prenne son identité. J'ai tué, let's go. Attention, je prends son identité les refs. Let's go transformation. Let's go les refs, c'est Kylo Ren avec son sabre. Qu'est-ce qu'il fait? Mais attends, mais je rêve, il essaie de me tuer. Allez, allez, faut que je le tue. Let's go, let's go, j'ai réussi à le tuer. Mais non, mais frère, mais il m'a tué. Mais non, mais les gars, mais il casse les couilles, gros. J'ai réussi à tuer mon petit frère, les gars, il reste plus qu'un abonné. Pour le fun, les amis, j'ai envie de laisser gagner l'abonné. J'arrête de devenir méchant, les amis. Je lui ai offert mes sabres laser. C'est toi le Jedi maintenant, c'est toi le Jedi. Vas-y, mon frérot. Oh, il veut faire un 1v1. Il m'a redonné un sabre laser. 3, 2, 1, go. Let's go, 1v1 sabre laser, les gars. Wesh, non, il va me péter. Non, il m'a explosé en deux. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si vous aussi vous voulez devenir un vrai Jedi. N'oubliez pas de vous abonner avec le bouton rouge et la cloche. Et n'oubliez pas le code PJP pour me soutenir. C'était Power. Bye bye.